Amis des trains, bonjour et bienvenue sur le site letraindemanu.fr. Aujourd'hui, je vous propose un reportage sur les réseaux présentés à Rail Expo au Parc des Expositions de Dreux, le week-end du 24 au 26 novembre 2023. Poursuivons notre visite avec le Club Étoile du Nord et son dépôt Nord. La présentation nocturne est une excellente idée qui souligne ce qu'était l'incessant travail des agents pour préparer les machines qui devaient partir au petit matin. Autre échelle, autre style avec le réseau en Endori Paul-Liétard. Le titre du réseau, Passé Recomposé, provient du fait qu'à l'origine, seule la partie centrale était réalisée pour Trainmania 2019, dans le cadre d'un projet présentant un réseau sur un format A4. Depuis, l'auteur a réalisé des extensions pour en faire un véritable petit réseau bouclé. L'Association des Amis du Rail de Parisy proposait au public la gare de Bonnemine. Ce grand réseau à chaux bouclé à double voie représente une gare de belle taille avec son dépôt complet avec pont tournant. La ville, de grande surface également, est parcourue par des véhicules Falair Car System et des maquettes animées donnent de la vie à cette installation. Un réseau propice à la circulation de longs rames. Autre dépôt, cette fois avec un dépôt d'autorail, présenté par le Cercle Ferroviaire Nivernais. De taille plus modeste que le dépôt Nord vu précédemment, ce très bel écrin au décor particulièrement soigné mettait bien en valeur les engins qui circulaient à allure réduite.
changement d'échelle avec la gare de Sonac traitée à l'échelle 0. Ce petit module, associant voie normale et voie étroite, était joliment et sobrement traité. Il est vrai que l'échelle 0 offre une présence unique. Malheureusement, les mouvements minimalistes se contentaient de brefs allers-retours n'incitant pas à s'attarder. Ce petit module aurait gagné en intérêt avec une véritable animation de transbordement, à l'instar de ce que nous propose régulièrement l'escadrille Saint-Michel dans d'autres lieux. L'association des modélistes Damien Longo nous transportait dans la France rurale. La gare de Filaville est une gare de correspondance entre le réseau ferré national, à voie normale, et le chemin de fer départemental à voie étroite. Si l'ambiance campagnarde était joliment restituée, les circulations n'étaient malheureusement concentrées que sur la voie normale. Dans le prochain épisode, nous vous proposerons d'admirer d'autres superbes réseaux en HO, en N, ainsi que de la vapeur vive.